Alors, un jour une œuvre, c'est un programme hors les murs du Centre Pompidou. L'idée, c'est de pouvoir sortir une œuvre originale des collections nationales dans un lieu qui, a priori, n'est pas du tout fait pour accueillir une œuvre, donc pas un musée ou un centre d'art. Aujourd'hui, on est au centre social Camille Claudel à Étampes. On est allé dans des gares, on est allé dans un tribunal de grande instance, on est allé dans un centre omnisports, dans un hôpital pour enfants, dans un centre d'hébergement d'urgence pour migrants. Enfin, en gros, on se dit que c'est l'œuvre qui sort des réserves, qui sort du musée, et c'est le centre Pompidou qui va à la rencontre du public. Un public qui a peut-être d'ailleurs pas beaucoup l'habitude d'aller au musée ou qui s'autorise pas forcément à se déplacer à Paris au centre Pompidou pour plein de raisons. Et donc là, c'est nous qui faisons la démarche inverse. On va à la rencontre du public avec une œuvre originale. On va présenter l'œuvre. Donc pour eux, c'est un peu une interrogation. Donc ils découvrent les formes. Il reste 10 minutes donc avec Christina qui leur a raconté effectivement, qui a amorcé une histoire, qui a amorcé justement une explication de cette œuvre. Et puis maintenant, en atelier, donc ils vont passer avec la pratique, ils vont travailler les formes et la composition. Et vous pouvez être sûr qu'en ressortant, de toute façon, tu es d'accord avec moi? Alors absolument. Il y a quelque chose qui va se passer. Ah, c'est quoi celle-là, là? Super. Alors, tout le monde a découpé sa couronne. Maintenant, alors là, vous allez voir, c'est le plus facile. Je vais demander à chacun dans son nouveau papier. Je vais vous demander de me dessiner, très facile, un triangle. Imaginez dans sa tête une grosse pomme de terre, une grosse patate. Attendez, dans sa tête, on prend sa main et on va dessiner cette grosse pomme de terre. Alors des fois, elle a des creux, la pomme de terre. Des fois, il y a un côté qui est énorme et de l'autre côté, il y a plus petit comme ça.